Salut à tous les cyclistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Petit Pignon. On se retrouve pour le jour 2 de nos sorties montagne. Vous l'avez vu dans le titre, l'enchaînement Télégraphe-Galibier, suivi d'une redescente vers Bourdoisan pour monter le col de la Croix de Fer par son versant sud. Je vous laisse tout de suite avec le parcours. Au menu de cette difficile journée de vélo, 163 km avec pas moins de 4000 mètres de dénivelé positif. On commence par descendre à Saint-Jean-de-Maurienne pour remonter la vallée en direction de Saint-Michel-de-Maurienne, pied du col du Télégraphe, première difficulté du jour, 12 km à 7%, pour enchaîner avec le mythique col du Galibier et ses 18 km à 7%, qui cachent en fait des pourcentages bien plus élevés sur la deuxième partie d'ascension à partir du plan Lachat. On bascule ensuite côté col du Lautaret pour redescendre sur Bourdoisan et entamer l'ultime montée du col de la Croix de Fer par le barrage d'Almont, une montée irrégulière de 29 km à 6% de pente moyenne. Après la descente sur Saint-Jean-de-Maurienne, ponctuée par quelques remontées, on a rejoint la départementale de fond de la vallée de la Maurienne en direction de Saint-Michel-de-Maurienne. Donc je dois vous avouer que c'est pas super agréable. C'est une grande route. Bon, c'est assez large, il y a une piste cyclable, enfin une bande cyclable qui est à peu près correcte. Mais de toute manière, on est obligé pour rejoindre Saint-Michel-de-Maurienne et attaquer le gros morceau de la journée. Après 4 km d'ascension dans le col du Télégraphe, ça circule vraiment beaucoup. Énormément de voitures, énormément de motos, pas mal de cyclistes également. Alors c'est normal, hein, on est en plein mois de juillet, week-end du 14 juillet, donc il y a du monde. Bon, sinon pour le moment on est en mode gestion, hein. Ne pas se mettre dans le rouge pour enchaîner avec le Galibier. Et surtout, quand on voit sur le Garmin qu'il reste 115 km, dont la Croix de Fer après, on va y aller mollo, on se ménage. C'est sûr que ça change du col du Molard hier, où il y a eu 4 voitures en tout sur 18 km. Là, on les compte même plus. Là. Alors qu'il nous reste encore 6 km, on vient de passer un petit replat. Et là, on est dans un endroit totalement à l'ombre. Ça fait du bien. Même si aujourd'hui il fait clairement pas trop chaud, ça va. On est quand même en cours. Bon, la montée passe quand même relativement vite. Il doit nous rester moins de 5 km. Et bon, je sais pas si c'est parce que c'est le début de la sortie, si c'est parce que c'est un col que je connais pas. Mais en tout cas, ça va, ouais, ça passe assez rapidement. Allez, on approche du final, 2 km à parcourir dans ce col du Télégraphe avant de pouvoir redescendre sur Valoire. Le dénivelé qu'on a pris en 50 minutes, c'est impressionnant. On était tout en bas là, là on voit passer l'autoroute en bas et on est monté à travers les sapins. Il nous reste moins d'un kilomètre, même peut-être 500 mètres d'après le panneau. Allez, on se retrouve au sommet. Petit bilan en haut du col du Télégraphe, 1566 mètres, monté depuis Saint-Michel-de-Maurienne. Donc c'est un col qui pourrait être assez sympa si à cette saison il n'y avait pas autant de voitures et autant de motos. Donc on l'a grimpé, on était au pied à 10h, on est arrivé en haut au bout de 50 minutes, donc à quasiment 11h. Et c'est vrai qu'à cette heure-là, il y avait quand même pas mal de circulation. Donc si vous roulez à cette période, donc en plein mois de juillet, août, dans le coin, Peut-être privilégier le début de journée et la fin de journée si vous voulez être plus tranquille. Sinon, hors saison, je pense que ça doit être plus tranquille. Alors si ce n'est la circulation, la montée quand même ne
présente pas de pourcentage excessivement dur. On est surtout sur du 7%, donc c'est assez accessible pour pouvoir prendre son rythme en fait, si on a le braquet adéquat. Et ouais, on est assez à l'ombre, donc on est dans les sapins, on alterne passage à l'ombre et passage au soleil. Donc malgré tout, c'est un col qui reste assez sympa, sensation mitigée à cause de la circulation, mais bon, ça on peut pas y faire grand chose et c'est normal à cette saison qu'il y a un peu de monde. C'est normal. Donc nous, bon, on n'est pas trop entamé, on va continuer, on va redescendre sur Valoir et on va enchaîner avec le plus gros morceau de la journée, le col du Galibier et ses 2600 mètres. À la sortie de Valoir au pied du col du Galibier. C'est parti pour 18 km. 18 km un peu irréguliers. On a une première partie qui est pas si dure, mais derrière, on a des beaux passages autour du 8%, 9%. Et un final qui va être dur aussi. Donc mollo. Tout dans la gestion, comme le télégraphe, pour pas finir la croix de fer, la dernière montée du jour, complètement à l'agonie. Donc on s'est bien ravitaillé au sommet du télégraphe. Il y a même de l'eau pour pouvoir reprendre de l'eau à côté du bar. Donc totalement gratuite, dispo pour les cyclistes, les motards et tous ceux qui veulent. Et voilà, maintenant les batteries sont, je vais pas dire pleines non plus, on peut pas déconner. Mais elles sont pas trop entamées. Et donc on va pouvoir grimper ce mythique col du Galibier. 18 km, 7% de moyenne, 1200 mètres de D+, et surtout quasiment 8 km au-delà des 2000 mètres. D'un petit replat pour vous reprendre. Il nous reste 9 km encore. Ça va être les 9 km évidemment les plus durs. Ça commence à piquer un peu là. Heureusement, le petit replat fait beaucoup de bien. Et le décor aide à faire passer le temps, même si, bon, c'est quand même pas mal de portions assez rectilignes. Donc ça passe moins vite que s'il y avait plein d'épingles quoi. Mais bon. Allez, au courage, on va y arriver. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait, c'est le replat du plan l'achat. Ah ouais, on monte là-haut. Ah ouais, ok. Wouah. Bon bah, allez, hein. Courage. C'est ça ce grand lacet, le grand lacet mythique du col du Galibier, c'est celui-là. Le large lacet, on voit en face, on se dit comment on va monter là-haut. Eh si, on va y arriver. Plus que 5 km et on aperçoit le sommet du col là-haut. Et que c'est dur.
que c'est dur. Comme prévu, il reste la neige. On vient de passer les grands du Galibier et là la pente est un peu moins élevée. Et on va arriver en 3-4 km au sommet. Je sais pas si vous voyez mais il y a plein de gens là-bas. Galibier, 2 km. Le passage est juste là-haut et on commence à voir les premières neiges. Le sommet est clairement en vue. Mais qu'est-ce que c'est dur le dernier kilomètre là. Vivement qu'on arrive en haut. Allez, on se retrouve au sommet là, je pense. On est redescendu du col du Galibier jusqu'au col du Lautaret. 8 km de descente. Petit débrief ici du col du Galibier. Alors, c'est quand même assez dur. Le final est très dur, notamment le dernier kilomètre. On avait plein les pattes quand même en arrivant en haut. Et surtout, encore une fois, à limite dans la montée, on se faisait doubler, mais ça allait. Mais c'est surtout au sommet que c'était blindé. Quoi. C'était blindé et du coup, c'est un peu dommage. Quoi. Ça gâche un peu. Mais en même temps, un endroit comme ça, on peut pas le garder que pour les cyclistes ou que pour nous. Donc, faut bien que tout le monde puisse y monter. Et du coup, ouais, ça faisait pas mal de monde là-haut. Et bon, voilà, c'est pour ça qu'on s'est pas éternisé en haut. On est redescendu là, au Lautaret. Et on va descendre donc, là jusqu'à Bourdoisan. On va peut-être s'arrêter manger un petit truc. Une petite crêpe ou un truc comme ça. On verra bien. Allez, c'est reparti. Toujours dans ce qu'on pourrait appeler la descente du Lautaret, interminable, en direction de Bourdoisan, ponctué de plein de petites bosses comme ça. Faut pas les monter trop vite, essayer de les monter sur l'élan parce qu'après on va se retrouver
en carafe quelques kilomètres plus loin dans la croix de fer. Donc même là, c'est pas des gros pourcentages. On monte tempo. Voilà. Et en face, on voit l'Alpe d'Huez. Je sais pas si on pourrait appeler ça une jolie vue sur l'Alpe d'Huez, mais en tout cas, c'est une vue sur l'Alpe d'Huez. Et là, ça devrait pas tarder de basculer. Allez. C'est bien, on vient de manger un petit truc à présent. Et on entame une nouvelle portion de plat de vallée pour rejoindre le pied du col de la Croix de Fer. Ça commence à faire quelques heures maintenant qu'on est sur le vélo. Ça commence à faire long, des sorties de plus de 5 heures, j'en ai pas fait tant que ça. Et ouais, on va voir. Ça nous a fait du bien, je pense, de pouvoir s'arrêter un petit coup. On n'est pas là pour faire le parcours le plus rapidement possible ou monter l'école le plus vite possible. Ça, ça sera pour un autre jour. Là, on veut juste faire notre parcours, notre trip et puis que ça se passe bien. Donc ça devrait, là, il commence à faire un peu plus chaud. Hein. Enfin, si ça tapait déjà, mais il est 15h et là le ressenti de chaleur il est quand même assez important. Donc on verra ce que ça donne dans la croix de fer. Allez, place un peu de plat maintenant. Ça y est, on arrive au véritable pied du col de la croix de fer avec ce début emblématique et la montée qui sert. Ça signifie le début de la montée. Il va falloir mettre tout ce qui reste pour arriver en haut du col de la Croix de Fer et basculer vers notre lieu de résidence, Saint-Sorlin-d'Arve. On est sur le viaduc du barrage. Par contre, c'est vrai que dès qu'on a perdu de la vitesse dans la montée du barrage là, on a senti qu'il faisait quand même chaud, hein, que ça tape. Heureusement qu'on n'est pas sur une journée très très chaude, mais si vous prévoyez de rouler dans ces endroits ou même à la montagne en général et qu'il fait très chaud, essayez un maximum d'éviter ces horaires là parce que ça se transforme en four, hein, littéralement. Ouais, du pourcentage, qu'on a une vitesse basse et qu'il fait très chaud, ça peut vite être très désagréable et puis amplifier en fait la difficulté de la montée avec des choses dont on se serait bien passé. Voilà. Allez, nous on continue la montée et on se retrouve quelques kilomètres plus loin. Sûrement pas dans les plus forts pourcentages parce que je pourrais pas. Mais au replat par exemple ou dans la descente. On a ouvert le capot là parce que le compteur de pourcentage s'affole. Et la température monte sous le casque. Heureusement, petit replat encore, 5-6%. De quoi retourner un peu la canne avant de nouveaux pourcentages plus durs après là, dans la foulée d'ici quelques dizaines de mètres. Je vous retrouve en voix off pour cette dernière partie du col de la Croix de Fer. C'est assez compliqué de filmer à la main tout en montant, surtout dans de tels pourcentages. Là, on est entre 9 et 10% sur plusieurs kilomètres avant d'arriver au hameau de Rivier d'Almont où on retrouve un replat de 2 km qui nous fait pas mal de bien avant d'enchaîner avec une courte descente et de retrouver de terribles pourcentages autour de 12-13% pendant 1 km. C'est là le passage le plus dur de l'ascension qui est un peu irrégulière. Et on retrouve ouais, des pourcentages assez importants qui font un petit peu mal au moral, sachant qu'il reste encore plus de 10 km à ce moment-là. Surtout après avoir déjà parcouru plus de 140 km au cours de cette sortie. On passe ensuite au niveau du barrage de Grand Maison, avant d'arriver sur des pourcentages un petit peu plus accessibles, un petit peu plus faciles, autour de 6-7%, pour rejoindre le passage donc, où on rejoint la route qui descend du col du Glandon, avant d'arriver jusqu'au sommet du col de la Croix de Fer par ce versant d'Almont.
Le sommet du col de la Croix de Fer représente pour nous la fin de sortie, puisqu'il ne reste plus que 5-6 km de descente pour rejoindre Saint-Sorlin-d'Arve. Au final, la sortie aura représenté 163 km de vélo avec 6h48 sur la selle, pour un total de 4000 mètres de dénivelé positif exactement, et une vitesse moyenne de 24 km/h pour une puissance normalisée de 199 watts. Si vous voulez retrouver cette sortie, elle est disponible sur mon Strava, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez envie de voir toutes mes sorties. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez voir plus de contenu de ce type sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de cette série de vidéos à la montagne. Les prochaines arrivent très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.